je souhaite que chacun de vous interprète judicieusement les propos tenus par le chef de l'État jusque-là à l'endroit de la jeunesse, qui est la pierre angulaire du prochain quinquennat, le quinquennat du développement. Ce qui reste, c'est que vous, jeunes, vous devez marquer votre présence, marquer votre territoire, pour qu'on dise que la jeunesse a joué sa partition. C'est un avant-mission qui vient d'être lancé, et pour cause, l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain, avec le soutien des cadres du parti, n'entend pas laisser la jeunesse en rade face aux enjeux de ces élections présidentielles, des enjeux de paix, mais également de sensibilisation pour un fort taux de participation. Le message était rien que la paix. Rien que la paix. Je peux vous dire, même au plan économique, dans une zone, dans une région où il n'y a pas la paix, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de développement. La paix, c'est pour nous-mêmes. La culture de paix, elle est biblique. C'est dans les livres saints, dans les écritures saintes. Donc, à vous d'aller vers eux et de leur dire, la voie n'est pas là-bas. Parce que le pouvoir, là, c'est Dieu qui donne. Si Dieu donne le pouvoir à quelqu'un et vous voulez défier ça, ça veut dire que vous voulez défier Dieu. Et si on a la crainte de Dieu, on ne défie pas quelqu'un qui est au pouvoir. Cette jeunesse a compris, surtout celle des collines, car la violence ne passera pas par elle. Dassa n'est pas en campagne. Dassa n'est pas en campagne. Dassa fête déjà le chaos du 11 avril 2021. Ainsi donc, ils sont des milliers à se lancer dans cette campagne pour la réélection du duo Talon-Talata, le duo de la jeunesse, le duo de l'espoir. Il n'y a pas de développement dans une nation qui soit. Il n'y a pas d'acte qui soit posé dans une nation et que ça ne soit d'abord pour la jeunesse. Tout ce qui se fait est d'abord fait pour la jeunesse avant d'être fait pour toute autre chose. Quero te mi tonaya bo, kuina bo, kuina fa, ka po ne mi,